Bonjour à tous et merci de nous accompagner sur Ibermusica. Ibermusica, votre émission de musique espagnole qui aujourd'hui ne sera pas une émission vraiment de musique espagnole puisque nous allons vous proposer une émission spéciale avec Roselyne Chevalier. Roselyne Chevalier, c'est auteur français qui vient de publier un guide sur les villes de Valence et Castellón, traduisez Valencia et Castellón. Roselyne Chevalier, donc, qui est venue jusque nos studios pour nous présenter ce guide. Je vous propose donc de découvrir avec elle les villes de Valence et Castellón. C'est tout de suite sur Ibermusica. Ibermusica, pour les amoureux de l'Espagne. On va notamment parler de Valence. Expliquez-nous pourquoi cette envie justement de travailler sur un guide. On a beaucoup de guides en France, autour de l'Espagne. Et là, vous êtes allé vraiment, c'est un travail, vous l'avez dit, pratiquement des 500 pages, très complet, sur Valence et Castellón. Donc, qu'est-ce que ça aurait donné effectivement si on avait mis Alicante aussi? Alors, comment ce guide, en fait, cette envie de faire ce guide est née? Alors, on va repartir toujours des faillasses, parce que ça part de là, je les ai vus 7-8 fois à peu près. J'ai fait un reportage photo entre 83 et 85, donc j'avais un appareil photo professionnel, donc j'ai pu faire des Kodachromes assez intéressantes. On en a quelques-unes là sous les yeux. Et donc, mon idée, c'était de tirer un ouvrage, un album photo de ces faillasses. Vous avez là un projet sous les yeux, avec des photos que je feuillette. Nous sommes à la radio, mais voyez la mascletà, c'est quelque chose. À la place de... Voilà, et puis, voilà. Alors, ça, c'est une vraie passion, hein, les faillasses, comme vous le sentez... à mon enthousiasme. Donc j'ai fait beaucoup de photos de Ninotes que nous avons sous les yeux. Et puis, étant aussi une femme de théâtre, eh bien mes personnages, je les fais parler. Et donc je fais parler mes Ninotes, bien sûr en accord avec le sens de la faïa. Hein, il n'y a pas de... Puisque vous savez que à la base de la faïa, vous avez comme des bulles en valencien, des petites choses humoristiques, hein, qui correspondent aussi aux livrettes des faillas en valencien. Donc, eh bien, pourquoi ne pas les faire parler en français, bien sûr, hein. C'était pour des lecteurs français. Donc, j'ai présenté ce projet que vous avez sous les yeux à différents éditeurs français. Et les éditeurs sont un petit peu frileux dans le sens où, comme ils le disent, c'est un sujet très ciblé, n'est-ce pas, comme on dit dans l'édition. Et on ne connaît pas assez ce sujet, et qui va acheter? C'est ça, l'éditeur se pose la question, qui va acheter? Bon, alors là, vous êtes là avec votre projet dans les mains, vous dites, bah oui, qui va l'acheter? Oui, bien sûr, mais enfin, si on ne fait pas connaître les choses, c'est un petit peu bon, le chien qui se mord la queue, si on ne fait pas connaître les choses non plus... On peut pas. Donc, eh bien voilà, ben, j'ai rencontré l'éditeur, les guides Peuple du Monde, qui m'a dit, bah, écoutez, moi je ne peux pas prendre votre projet, c'est pas dans mon optique éditoriale, je fais des guides. Donc si vous voulez faire un guide sur Valence, sur cette région, voilà, moi je vous propose de faire cela. Bon, je me suis dit, bah, por qué no? Pourquoi pas? C'est un pays que j'aime. Je suis ouverte à toutes les expériences, hein, du moment que c'est la région que je connais bien, que j'aime. Ça sera une façon de travailler sur elle, de la faire connaître aux Français. Et j'ai dit oui. À l'époque, je ne savais pas que je m'engageais dans un travail assez phénoménal, je dois dire. Vous disiez tout à l'heure, oui, que nous n'avions pas Alicante avec ce volume. Bon, ben ça, c'est tout simplement des questions de format, comme vous voyez, parce que 495 pages, ça vous fait déjà un petit pavé, on va dire. C'est pas une thèse d'état, mais c'est bon. Et il faut que ça reste maniable, bien sûr. Je peux vous dire que si là, mon lecteur-visiteur
fait tous les itinéraires. Il peut se passer déjà un bon mois sur Castellón et puis un bon mois sur Valence, mais sans problème. Des grosses vacances alors. Des grosses vacances, donc il a déjà, et plus s'il veut, il a déjà, comme on dit, de quoi faire et de quoi sillonner la province tranquillement. C'est le but hein, de ce guide, c'est que le visiteur a des itinéraires tout tracés avec la route à prendre. Bien que maintenant on est les GPS dans les voitures, mais enfin il y a des gens qui n'apprécient pas forcément. Donc vous avez tous les itinéraires tracés, les endroits où vous devez descendre pour aller voir tel musée, tel monastère, un monument ou un site digne d'intérêt. Justement, quand on va sur la table des matières, qu'on retrouve donc à la fin du guide, on voit que vous avez donc divisé ça en plusieurs parties, plusieurs chapitres. Et on a remarqué, en le feuilletant, que vous commencez donc par un chapitre qui est l'histoire ou l'histoire de l'art. Et vous mettez souvent l'histoire de l'art ou des sculptures en Espagne. Quelques pages après, vous revenez sur spécifiquement l'histoire de la sculpture ou de l'art à Valence. Et vous avez fait aussi ça pour la peinture en Espagne, mais la peinture aussi à Valence. Donc c'est un travail qui a été très, très minutieux. Est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps justement de préparer tout ça, de compiler toutes les informations et ce travail énorme après de choisir ce que nous allons mettre dans un guide? C'est vrai, bon, au départ, on a l'idée globale, si on veut. Pour moi, c'était vraiment hors de question de commencer tout de suite sur ces provinces, sans effectivement une introduction historique de l'histoire d'Espagne, bien sûr, qui va ensuite se concentrer plus sur Valence et Murcie, qui ont une histoire différente, hein, il faut bien le savoir. Donc, il faut absolument introduire cela pour le lecteur, pour qu'il sache aussi, comme dans un espace, se repérer. L'histoire de l'Espagne, il faut la connaître, bien sûr, sinon on ne comprend pas les tenants et les aboutissants par la suite, ne serait-ce que sur une communauté autonome. Il faut expliquer comment on en est arrivé à la communauté autonome. Hein. Il y en a 17 en Espagne actuellement, à quel moment ça a commencé, après la mort du général Franco en novembre 1975, donc la transition démocratique, et puis ensuite la naissance en 1978 des communautés autonomes. Et puis quand on a toute l'histoire de l'Espagne, on comprend pourquoi on en arrive aussi à la communauté autonome. C'est un petit peu inscrit dans l'histoire de l'Espagne. Et puis je dirais que quelque part aussi, c'est inscrit dans sa géographie, comme on le sait. Elle a une géographie qui fait que, il y a des territoires très très délimités. La géographie humaine nous amène à ces choses-là. C'est important. Alors évidemment aussi, l'histoire de l'art, heureusement pour nous, Valence est un pays extraordinaire en histoire de l'art, en peinture, en sculpture, en architecture, Murcie également. Et là aussi, eh bien, comme je dis, on ne peut pas saucissonner l'histoire de l'art. Il y a les racines, il y a tous les prédécesseurs, tout le mouvement artistique, aussi les grands mouvements artistiques qui sont retracés, bien sûr, pour qu'on puisse effectivement ensuite se repérer dans les communautés autonomes et savoir un petit peu d'où ça vient. Bon, bien sûr, ce sont des grands courants européens. Hein. Vous avez le style roman, vous avez des monastères cisterciens, vous avez beaucoup de cathédrales franco-espagnoles hein, qui datent du XIIe siècle, hein. Avec Jean de Bourgogne, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Voilà. On voit aussi qu'il y a une présence française hein, qui ne date pas d'hier, qui a toujours été là. Il y a peut-être eu quelquefois des frictions entre les peuples. Quand je suis allée à Valence,
On m'a sorti de son, de, vous savez, de son petit tiroir, on m'a sorti Napoléon. Hein. Là, le passage de Napoléon, a, comme on le sait, guère été apprécié. Mis à part des moments comme ça, mais enfin Napoléon n'a pas été apprécié dans d'autres pays aussi, hein, bien sûr, c'était un conquérant. Mis à part des épisodes comme celui-là, nos deux peuples ont toujours été assez frères et assez proches. Hein, nous sommes des Latins, hein, je crois quand même. Hein, différents, certes, mais... Alors moi-même, c'est peut-être une question qui vous brûle les lèvres. D'où est-ce que je viens de France? Eh bien, moi, je suis née dans le Marais Poitevin, donc un petit peu plus au sud de la région de la Bretagne, donc du sud de la Loire, comme on dit, le nord et le sud. Alors, est-ce que j'ai peut-être des ancêtres du sud? Ça n'est pas du tout impossible. Hein. Bien sûr, c'est possible. D'où viennent les passions? C'est vrai que le sud m'attire, l'Espagne... les Valenciens, parce que le Valencien, il est drôle, il est gay, il vous raconte des tas d'histoires. Bon, même si c'est pas vrai, ça fait rien, tout le monde fait semblant d'y croire et tout le monde rit. Je commence à bien connaître ce caractère valencien. Alors je me dis oui, bon, et puis tout est très beau, tout est magnifique. Oui, d'accord. Et bon, on se prend au jeu et vous connaissez hein, le fameux jeu du truc, hein, truc et le truc, qui est un jeu comme ça de finasserie entre, et c'est bien valencien, hein, parce que je me souviens ça a été repris dans une scène des Fayas, le fameux truc. Ben, c'est un jeu où on finasse, où est-ce que l'autre il me dit la vérité ou pas? Est-ce qu'il est en train de m'embobiner ou est-ce qu'il est en train de me dire quelque chose de sérieux? Eh bien ça c'est un petit peu tout le caractère valencien, mais moi je le trouve charmant. Valence, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une ville qui a beaucoup changé tout au long de ces dernières décennies, mais notamment depuis ces 10-15 dernières années où on voit que la ville a changé côté architecture. Elle s'est beaucoup, beaucoup développée, elle continue encore à beaucoup se développer. Elle est devenue un centre culturel de premier ordre avec la Ciudad de las Ciencias y de las Artes. Et donc, j'aurais souhaité que vous nous en parliez justement de cette évolution de la ville de Valence que vous avez pu aussi constater ces dernières années. Et à partir de votre regard de française amoureuse de Valence, quelle est justement cette évolution, celle qui vous a frappé le plus dans ces changements que nous avons tous vécu ces dernières années? Alors donc moi j'étais à Valence entre 1982 et 1986. Je crois que c'est encore une très très belle période aussi pour les Fayas. En tout cas j'ai pu voir un petit peu ça. Moi j'habitais pas très loin de la place de la Vierge, place de la Virgen. J'étais à côté de l'église Santo Tomás. Bon, c'était la vieille ville, c'était pas mal, bien sûr. Et puis alors à côté, là en haut de la rue Trinquete Caballeros, il y avait les éternels travaux. Des travaux, alors des échafaudages. Et puis moi j'ai toujours vu les échafaudages et rien ne se passait. Ensuite, quand on va sur la gauche, là vers le... Vous savez, quand on passe sous l'arc... entre le palacio épiscopal et la cathédrale, le fameux arco. Là, il y avait une espèce de maison un petit peu style vénitien, comme ça, avec des peintures roses. Cette pauvre maison avait brûlé. Alors moi, tant que j'étais là-bas, à côté de la Almoïna aussi, j'ai vu cette maison brûler. Alors à chaque fois que je passais devant, j'ai dit, c'est quand même dommage de ne pas restaurer cela. Ensuite, bon, nous connaissons tous le quartier du Carmen à l'époque. Bon, quand je suis retournée, effectivement, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, eh bien, tout ça était debout. Alors, c'est vrai que j'ai du mal à reconnaître. Alors, j'ai vu cette maison réparée, j'ai dit restaurée, j'ai dit, ah, merci mon Dieu, ça c'est formidable. Les échafaudages un peu plus loin aussi avaient disparu. Ensuite, c'est vrai, quand j'ai repris la Calle Caballeros, bon, il y a beaucoup ce qu'on appelle les PAF. Oui. Alors évidemment, c'est très ambianté, on entend la musique dans la rue,
Bon, voilà, c'est bien restauré, c'est beau. Mais c'est vrai que je regrettais un peu ce petit côté, voyez, un peu vieillot, un peu comme ça, oui, entre guillemets, mais qui était charmant aussi. Et puis surtout le Carmen, hein, qui a aussi, alors moi j'ai revu des pubs dans le Carmen, j'ai fermé les yeux, ouvert les yeux, j'ai dit je rêve quoi. Ah oui, là c'était où il y avait Paco, oui, d'accord. Ça a changé aussi, mais je me dis que c'est le prix à payer aussi pour que ça... que le quartier soit restauré et qu'il faut l'animer par des pubs ou des commerces, évidemment. Un quartier, on va dire à nos auditeurs, un quartier qui est donc plein centre-ville et qui était très dégradé, c'est vrai. C'est là où il y avait à un moment donné, effectivement, un petit marché de la drogue qui existait, même de la prostitution dans certaines rues du quartier del Carmen. Et effectivement, tout a été récupéré, restauré pour la plupart. Et donc, c'est la récupération de la vieille ville de Valence. Mais il y a eu, et il y a aussi, la récupération des terrains qui étaient dédiés à l'agriculture près du port et qui, ces dernières années, sont devenus la Ciudad de las Ciencias y de las Artes. Est-ce que vous avez connu donc cette partie des Valences du vieux port à l'époque où, effectivement, il y avait encore que des champs d'agriculteurs et qui aujourd'hui a complètement changé, puisque cette partie-là de la plage de Valence a beaucoup changé aussi. J'avais connu un petit peu le quartier du Cabanyal, le port, oui, où effectivement il a fallu décider de faire autre chose là sur ces... Alors c'est vrai que c'est un petit peu dommage de voir ces jolies petites maisons de pêcheurs. Ça fait toujours un peu mal au cœur de voir, ben, comme en France aussi, hein, quelquefois, certaines grandes bâtisses, il y en a aussi beaucoup en Poitou-Charentes, hein, je pense à des exemples. Bon, que faire de ces... c'est un peu autre chose, mais que faire quelquefois de certains bâtiments qui... on ne va pas restaurer parce qu'on ne va pas savoir trop quoi en faire. Ils sont vieux, donc bon, en même temps, ça fait mal au cœur de mettre un gros bulldozer dedans. Donc je crois que l'être humain est toujours partagé dans ces cas-là et que ça fait toujours mal et qu'il y a des décisions qui font mal. Hein. Je sais qu'il y a eu aussi beaucoup de batailles pour ce quartier du Cabanyal. C'est vrai que ces petites maisons valenciennes sont adorables. Moi, je les aime beaucoup. Elles sont belles, elles sont attachantes, mais tout d'un coup je repense à ce qu'a fait Haussmann à Paris, bien sûr, mais il y avait des quartiers complètement insalubres et bien sûr il a fallu prendre des décisions draconiennes. On est partagé parce qu'on aime le passé et si on ne peut pas faire autrement, bon, bien sûr, dans la mesure où les gens sont relogés, bien entendu. Nous ne sommes plus à l'époque d'Haussmann où les gens... ils partaient de chez vous. Et puis, bon, on espère bien que toutes ces choses-là sont terminées. Ça fait toujours mal, mais effectivement, il y a des priorités. Et puis après, quand les choses sont faites, même si ça fait mal, on est content parce que, bon, c'est vrai que là, toute cette zone portuaire, maintenant, surtout avec l'America's Cup prend un nouvel élan, une nouvelle vie. On a parlé de la Cité des Arts et des Sciences. Alors ça, c'est carrément extraordinaire. C'est extraordinaire. Je ne l'ai pas vu complètement achevé, je l'ai vu en cours. Et même déjà, la voyant en cours, vous mesurez quand même cette chose absolument. C'est le premier parc de loisirs européen. Ça, c'est bien la folie valencienne, alors ça me plaît, et ça me gusta. Donc voilà, je suis un touriste français, j'ai votre guide en main. Oui. Alors, j'arrive à Valence, à l'aéroport. Alors, quels sont justement les endroits que je dois visiter obligatoirement quand je suis à Valence, selon vous? Selon moi, eh bien, je pense que la première chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle la vieille ville. Enfin, dans mon guide, donc, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans la ville, j'ai fait le fameux tour du bus numéro 5, du bus numéro 5, qu'on connaît bien.
Donc on fait le pourtour, on va dire globalement, de la vieille ville, on peut dire. Hein. C'est la plus grande vieille ville d'Espagne aussi, Valence. Donc voilà, et ensuite, donc on peut... moi je conseille aux personnes de le faire à pied parce qu'en fait les stations ne sont pas très longues. Mesdames, ne prenez pas vos talons. J'allais dire, faites pas comme moi, parce que c'est vrai que j'aime bien être coquette, mais bon, il faut laisser les talons et prendre des chaussures où vous êtes confortablement chaussée, parce que même si la ville n'est pas très grande, vous marchez quand même beaucoup. Je me souviens que j'ai fait des marches pendant les Fallas pour aller voir la Falla ici, là. Et là, il faut avoir vraiment des chaussures de marche parce que vous marchez toute la journée. Donc, il faut justement prévenir à nos amis et auditeurs que quand on va à Valence en période des failles, il faut beaucoup marcher parce que je n'ai pas le nombre en tête, il y a plusieurs centaines des Fallas qui sont installées. Effectivement, il y a beaucoup de rues qui sont coupées et donc la seule possibilité qui reste aux gens de Valence, hein, mais aussi aux touristes, donc, est justement de marcher. Donc il y a le vieux quartier, et dans le vieux quartier, vous avez tout à l'heure parlé de la cathédrale, mais aussi, vous ne l'avez pas cité, mais on va le citer, c'est El Miguelete, qui est côte à côte, donc oui, à la partie arrière de la cathédrale, sur la place de la place de Zaragoza, ou place de la Virgen, qui est juste à côté. Zaragoza, c'est Reina maintenant, parce que Plaza de Reina, ça change, ça a beaucoup changé depuis 20 ans. Il faut reconnaître que même la Plaza de la Mairie actuelle, Plaza de l'Ayuntamiento, même depuis la démocratie, a changé quoi, 2 ou 3 fois de nom. Avant, c'était donc, Plaza del Caudillo. Après, c'était Plaza del Gobierno Valenciano. Del País Valenciano. Del País Valenciano. Et maintenant, c'est devenu Plaza de l'Ayuntamiento, Plaza de la Mairie. En français. Voilà, les Valenciens aiment le changement. Voilà. Donc là, oui, je crois que c'est Plaza de la Reina. C'est vrai que j'ai toujours ce tableau devant les yeux et je ne m'en lasse pas. C'est vrai que c'est vraiment très, très, très beau, tout cet ensemble architectural. Et alors, justement, je suis assez fière de dire que le fameux Miguelete, on a dit beaucoup de choses sur mais son style est, il vient de la France, hein, c'est le style, c'est un gothique provençal, puisque évidemment ça passait par la Catalogne et puis ensuite on descendait. Donc je vais dire aux Valenciens que voilà, vous avez déjà avec votre Miguelete la France qui est là, donc c'est du gothique provençal. Voilà, donc c'est et puis, un lien. Et puis il faut aller, on l'a dit, à une époque particulière, l'époque de las Fallas, qui est donc la semaine qui précède en gros le 19 mars, jour où las Fallas vont brûler. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, ceux qui ne les connaissent, ce que sont las Fallas? Alors, les Fallas, c'est des grands ensembles de cartons pâte, hein, qui sont dressés dans les rues. Donc, comme on dit en France, il y a autant de fromage que de jours dans l'année. Eh bien, on va le dire des Fallas, parce qu'il y en a même... je crois qu'on est à plus de 400 maintenant. Hein. Voilà. Donc, ça peut atteindre les plus hautes jusqu'à 15 mètres, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, il y a environ, chaque année, une dizaine de Fallas de création, donc complètement créée, que la commission Fallera va financer. Elle va payer l'artiste Fallero et puis l'artiste Fallero ensuite, pour la construction de la Falla, va payer les charpentiers, les peintres, enfin tous ceux qui vont la confectionner. Ça commence avec un croquis et au 19e siècle, il y a eu beaucoup d'histoire et même de conflits avec les Fallas, parce que la Falla, c'est vraiment le monument populaire. Et même les premières Fallas, c'était comme des petites scènes de théâtre, un petit tréteau avec les petits ninottes sur la scène et qui parlaient. Et alors au 19e siècle, par exemple, la Falla, c'était un moyen d'exprimer souvent les soucis des gens, ou bien de se moquer du voisin d'un côté, mais aussi se moquer quelquefois des autorités politiques ou religieuses. Et là, ça ne plaisantait pas tellement. Il y a même eu des cas où il y avait eu la police devant la Falla pour pas qu'il y ait de bagarres.
L'histoire des Fayas est assez passionnante, je dois dire. Bon, maintenant, tout ça a bien changé. Donc, maintenant, au cours des années, alors, bon, là, ça nous entraînerait trop loin, mais je veux bien faire une émission spécialement sur les Fayas. Au cours des années, d'un petit tréteau avec quelques personnages, avec des chiffons et avec le fameux parrotte, qui est une espèce d'armature de bois qui servait à soutenir les lampes de l'hiver dans les ateliers des charpentiers, eh bien, de fil en aiguille, c'est devenu ces grandes Fayas. Il y a un grand nom, Fayero, il faut quand même le dire. Je ne peux pas m'en empêcher. Vous le connaissez aussi comme moi, c'est Regino Mas, qui a inventé plusieurs étages, si vous voulez, à la Faya, et qui a inventé aussi ces petits personnages, les ninots, de tailles différentes. Alors, la Faya, elle est pyramidale, tout à fait, avec une grosse figure. Au centre, et puis ensuite vous avez les petits ninottes à la base qui font quelquefois, ils ne sont pas très grands, pour faire 1m50. Et alors ils sont très très drôles, hein. D'ailleurs vous avez le musée des ninottes avec donc les ninottes indultats, les ninottes graciées. Il y a un groupe de ninottes graciées chaque année, si je ne me trompe pas, c'est depuis 1932. Si ma mémoire c'est 34 ne me fait pas défaut parce que il y a des fois les chiffres qui dansent dans la tête, je crois que c'est 1934. Et donc là les premiers ninottes étaient dans un style très naturaliste avec des vrais vêtements, je me souviens, c'est un couple qui danse, je l'ai encore sous les yeux et il est très beau. Donc chaque année depuis 34, eh bien, il y a le Ninot Indultat par vote populaire, ça se faisait dans la Londra à l'époque où j'y étais, je crois que ça a changé, et il y en a un qui est sauvé. Cela dit, il y en a un peu plus qui sont sauvés, il y en a qui sont mis un peu au frais quelque part, peut-être dans la ville de Fayera qui se trouve aux abords de Valence. Alors voilà, ce sont des grands monuments de carton-pâte absolument magnifiques. Donc, il y a énormément de touristes étrangers, y compris des Américains, des Japonais, enfin la planète entière. Donc, et quand la Faya brûle, alors, il faut quand même que je parle d'une chose qui m'a beaucoup impressionnée. C'est qu'avant la créma, bon, nous avons le mot crémation en français, tout de même, on a beaucoup de racines communes, aussi dans le vocabulaire. Avant la créma, la commission Fayera fait la ronde autour de la Faya pour lui dire adieu. Alors vraiment, je vous assure que c'est très impressionnant. Donc ils tournent, ils ont l'air très tristes, voilà. Et puis ensuite, eh bien, la reine, on peut dire, de la commission, la Fayera Mayor de la commission, pleure. Elle pleure parce qu'on va brûler la Faya. Donc c'est un rituel, mais moi ça m'impressionne parce que bah, on y croit. Ça marche tout à fait et on sait que la Faya n'est pas vivante, mais un petit peu quand même, c'est quelque chose qui est impressionnant. Alors j'ai assisté à des crémas, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais pu les photographier, sans doute étais-je trop émue, c'est possible. Je ne pouvais pas photographier une créma, on en a une dans le guide, je rassure les auditeurs. Parce que c'est vrai que c'est relativement beau. Il y a de très belles photos de créma ou un beau visage de femme en train de brûler. Ça peut avoir sa beauté, quoique ça pourrait rappeler des choses un peu désagréables aux Français, si vous voyez ce que je veux dire, oui. Une femme qui brûle. Oui. Bon, ça fait mal, c'est le feu. Ah oui, donc avant, alors on se dit, mais comment est-ce qu'on s'y prend pour la brûler? Bonne question. Eh bien, on l'entoure de pétards, on prend... je voudrais revenir ensuite à autre chose. Oui, alors, donc, on l'entoure de pétards, et puis alors, ben, vous allumez la mèche, donc ça commence à sauter de tous les côtés. Donc, boum, 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 et puis, bon, ben, ça prend feu. Et là, quand la figure centrale tombe, c'est bouleversant, quoi. Moi, c'est vrai que j'étais complètement émue et... bien sûr, on sait que c'est pas vivant, mais je sais pas, ça fait un effet extraordinaire, c'est émouvant, moi j'avais les larmes aux yeux aussi, comme la Faya Mayor, c'était très communicatif. Alors ce qui était très beau, c'est que j'ai vu encore la Nahordana, vous savez, dans la petite place Nahordana, alors que je dise aux auditeurs que c'est des places. L'une des Fayas qu'on appelle de la section spéciale,
qui sont les 5, 6, 7 grosses faillas avec des gros budgets. Pour dire, ça coûte plusieurs pilars, Convento Jérusalem, entre autres. C'est Jérusalem, des faillas qui coûtent quand même plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça coûte très, très, très cher. Et Najordana, c'est parmi celles l'une des plus connues, mais c'est aussi des plus historiques de la ville de Valence. Alors, c'était très beau dans la petite place, qui était toute petite. Donc, moi, j'ai quand même vu une créma à l'époque encore. Et puis, vous avez quand même les maisons tout près. Et là, on a dit non, mais il faut arrêter ça, c'est trop dangereux. Bon, bien sûr, vous avez les bombes qui sont là, les pompiers. Mais vous savez que la Najordana maintenant est devant le pont, là. D'ailleurs, ils avaient fait une année une faya qui n'a pas tenu, qui est tombée. Donc là, malheureusement, après, elle ne peut plus concourir, ça arrive. Parce qu'il y avait un vent assez fort, hein, c'était une espèce d'homme serpent avec deux cornes. D'ailleurs, j'ai ces photos de cette époque-là et je suis très contente puisque maintenant, tout est parti en fumée. Alors aussi, ce qui est important, tout à l'heure, je vous parlais de la créma, mais si vous pouvez, les visiteurs français, voir la planta. Et je crois que Juan José ne va pas me contredire là parce qu'effectivement, la planta, ça a lieu normalement, si mes souvenirs sont bons, dans la nuit, du 14 au 15. Le 15 au matin, toutes les faillas sont dressées. Donc ça veut dire que, eh bien, dans la nuit, tout ce petit monde-là va s'activer. Il faut amener la faya, si j'ose dire, en pièces, en morceaux, de la ville faillera, dans des camions, enfin des véhicules apprêtés à cet effet. C'est une espèce de fête aussi. Moi, j'ai été à des plantas toute la nuit, hein, je me suis quand même bien amusée. Hein. Alors, on l'amène en morceaux, on la monte. Hein, donc, évidemment, les fayas dont vous venez de parler, ça prend toute la nuit. Mais bon, même une faya moins importante, ils prennent leur temps. Il y a le café qui chauffe dans le coin, les guinuelos, les friandises toute la nuit. Donc, tout ça se passe dans la joie, la gaieté. Et j'ai des photos de fayas en train d'être montées. J'en ai quelques-unes d'assez réussies, donc très belles. Je crois que c'est celle d'El Pilar avec un grand vase. Alors là, le travail des artistes est extraordinaire. C'est vrai que quand ça brûle, forcément, ça nous fait mal au cœur. Et c'est vrai que les touristes étrangers, notamment les Américains, pourquoi ? Mais enfin, mais vous êtes fous ! Les Valenciens sont fous, ils brûlent. Je dis, mais oui, mais on ne pourrait pas les stocker de toute façon, déjà d'une part. Et puis c'est la tradition, le petit Ninote au départ, en 1846, il a été brûlé et après on brûle parce que de toute façon on ne pourrait pas stocker. Et l'idée du Valencien c'est que l'année d'après il va faire mieux. Donc c'est destruction, création. Et c'est vrai que ces moments de planta sont magnifiques aussi parce que ça se monte, on voit comment on fait. Moi j'ai vu les grues, le type là sur une photo là, qui est suspendu parce qu'il va mettre la plume au chapeau du personnage, la figure principale. C'est vrai que c'est aussi très, très impressionnant. Et puis les gens aiment bien les processus, aiment bien voir comment les choses se font. Et le matin, la ville, c'est un grand Disneyland, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'insiste sur la planta, si vous y allez en arrivant le 12 ou le 13, vous pouvez voir la planta la nuit, vous allez bien vous amuser aussi. Posez vos questions et faites votre émission en écrivant à ibermusica@yahoo.fr. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me alegra tanto oír tu voz aunque dormido. Por fin viajabas como en tus sueños buscando un sitio para volver. Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera. Si vous avez faim, il n'y a aucun problème puisqu'à Valence, on mange aussi très bien. Et justement, dans votre guide, Espagne méditerranéenne, Valence et Castellón, dans ce premier volume, vous donnez aussi donc des conseils pour le touriste qui débarque à Valence et qui souhaite bien manger. Et notamment, je retrouvais
un plat très typique de l'endroit, c'est la fideuà. Ah, la fideuà, on connaît la paella. Donc, je crois que tous les Français connaissent la paella. Mais peut-être que très peu connaissent ce que c'est la fideuà. Oui. Alors, effectivement, la fideuà ressemble comme deux gouttes d'eau à la paella. Mais c'est tout à fait différent. Oui. Ça se cuit de façon tout à fait différente. Alors, quelquefois, dans certains guides un peu à la va-vite, fideuà est classé sous paella. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à une paella. L'arroz al horno, il ressemble à une paella. Ce sont des plats de riz. Hein. Donc là, la fideuà, c'est effectivement un plat de poisson et de vermicelle qui était proche d'une simple soupe au départ. Donc, évidemment, il y a beaucoup de plats à base de poisson. Nous sommes sur la côte. Donc là, pour la fideuà, les pêcheurs faisaient cuire des morceaux de galette sèche qu'ils finirent par remplacer par du vermicelle. Alors ensuite, c'est vrai qu'au départ, il y avait des poissons assez ordinaires et qu'ensuite, on a mis des choses un petit peu plus... des poissons un petit peu plus raffinés. Mais elle ne cuit pas... Elle ne cuit pas de la même façon que la faya, ça se fait tout à fait différemment. Voilà, le poisson et le riz cuisent chacun de leur côté et sont servis de la même façon, ce qui n'est pas du tout le cas de la paya. Je vais dire que je suis assez fière de mon chapitre gastronomie de Valence. Il y a aussi le chapitre gastronomie de Castellón, hein, pour chaque province. Donc, vous avez les plats principaux. Ce que vous allez trouver, donc les plats de viande, ah oui, le blat picat, le blé haché, l'ail pébré, alors là c'est l'albufera, hein, c'est un plat d'anguille qu'il faut goûter, tous les plats à base de riz, je passe un petit peu tout en revue, et là vous avez quand même, je vous ai pris des vieilles recettes valenciennes aussi que j'ai traduites. Arrop y tagliadettes, hein, donc ça vous pouvez regarder dans tous les autres guides en France, vous n'allez pas le trouver. C'est vrai que c'est très complet côté gastronomique, oui. Comme salé, côté touristique. Mardi. Et voilà. Donc, il y a donc cette partie gastronomie, vous avez parlé aussi de l'arroz al horno, l'arroz al forno. Et puis, on a parlé des Valence, j'aimerais qu'on aille quand même un tout petit peu du côté des Castellón, qui est grosso modo pas très loin des Valence, à une soixantaine de kilomètres, grosso modo, si je me souviens bien. Castellón, qui est une ville balnéaire, en quelque sorte, qui est divisée en deux, parce qu'il y a la partie intérieure et puis la partie côte des Castellón. Alors, on quitte Valence, on prend l'autoroute, si on souhaite aller vite fait vers Castellón, on arrive à Castellón. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas rater quand on est à Castellón? Alors, Castellón, c'est un petit peu plus particulier parce que effectivement, elle a subi pas mal de dommages pendant la guerre civile. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont reconstruites. Il y a un monastère donc avec des... Normalement, on pense que ce sont des pièces, des peintures de Zurbaran, hein, si je ne me trompe pas. Vous avez le musée de la cathédrale, le cloître. Bon, tout ça a été reconstruit, hein, puisque la ville a quand même pas mal souffert. Mais c'est une petite ville charmante qu'il faut aller voir. Alors évidemment... Elle risque d'être éclipsée par Peñíscola, oui. Bien sûr, hein, qui est la perle de la côte de Azahar. Peñíscola, et puis on a aussi notre c'est vrai que très je belle me ville suis... qui est Morella, qui est un oui. peu plus à l'intérieur. Je me suis beaucoup pas mal attardée sur Peñíscola, puisqu'il y a... Nous sommes en plein donc avec ce personnage emblématique, Benoît XIII. Maintenant, nous avons un Benoît XVI, mais oui. Là, c'est Benoît XIII en plein schisme d'Occident. Schisme d'Occident, alors on se dit, ah, le schisme d'Orient, on voit très bien ce que c'est, mais par contre, le schisme d'Occident, c'est un petit peu plus compliqué. Donc,
Donc c'est une époque de la chrétienté où il y a eu trois papes en même temps. Et Pedro de Luna, donc Benoît XIII, avait été élu par les Français d'ailleurs. Vous savez, c'est l'époque où donc, nous sommes au XVe siècle, si mes souvenirs sont bons. Et bon, cette histoire-là a bien duré une quarantaine d'années, voire un petit peu plus. Ça ne s'est pas résolu non plus très 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 vite. Le pape d'Avignon, qui était à Avignon, a décidé de partir à Rome. Et puis, bon, ça n'a pas plu à tout le monde. Alors, on a commencé à... Les Français ont dit, bon, on va élire un pape. Les Romains ont dit, bon, on va élire le nôtre. Enfin, bon, et puis tant et si bien, il y en a eu un troisième. Je n'ai pas absolument tous les noms dans la tête. Mais tout ça est bien mis noir sur blanc dans le guide. Et... ce schisme a donc perduré une quarantaine d'années. Et notre personnage très attachant, Pedro de Luna, ben, n'a pas gagné dans... Papa Luna. Je ne vais pas dire dans cette élection, bien que ce soit très à la mode en ce moment. Mais voilà, je raconte une histoire, une espèce de petite légende là, que j'ai trouvée dans un livre qui s'appelle « L'Espagne insolite ». Donc, vous savez, un voyageur avec son petit baluchon sur le dos qui parcourt l'Espagne et qui rencontre des personnages, des guérisseurs, des conteurs. Il y a aussi tout cela dans mon guide, hein, parce que j'aime beaucoup les contes, les histoires, les légendes. Vous vous souvenez peut-être le sanctuaire de la Balma Zorita del Maestrazgo. Il se passe des choses absolument incroyables, et donc j'ai vu ça dans le livre Espagna insolite, hein, insolita. Et c'est très théâtral, il y a la bataille de l'ange et du diable, et les gens qui crient, je ne sais pas si ça perdure complètement aujourd'hui, mais sûrement il y a des réminiscences, il y a encore des choses inspirées de cela qui doivent se passer. J'aime toutes ces histoires... comme ça, un petit peu légendaire. Alors, pour en revenir à Pedro de Luna, Pedro de Luna s'en va vers Perpignan avec ses bateaux, son équipage. Et il dit à ce moment-là, si la tempête continue, je renonce à être pape, c'est Dieu qui décidera ça. Mais si les eaux se calment, c'est que je dois être pape. Et dans ce cas-là, je retourne à Peniscola. Et comme par miracle, les eaux se calment, c'est le grand calme. Le grand, bon, alors, papa soy, papa quedaré, quelque chose comme ça. Il revient à Peniscola, mais bon, les événements et les hommes sont plus forts que lui. Il n'est plus pape. Donc, mais il va rester à Peniscola, il va finir ses jours à Peniscola. Et puis il sera bien entouré, il descendait toujours à la petite chapelle où il y a la Vierge là. Donc vous pouvez refaire ce parcours dans la Peniscola. Papa Luna, comme vous dites, oui c'est vrai que on va vous parler de lui tout de suite. Vous avez certainement oui, beaucoup de choses en relation donc avec ce personnage très attachant. Et ben, en plus vous aurez toute l'histoire du schisme d'Occident. Parce que effectivement, là aussi, si on rentre pas dans l'histoire, bon, on va survoler, on va pas très bien comprendre ce qui se passe. Et puis bon, moi j'avoue que l'histoire me passionne, donc bah je suis entrée un petit peu plus dans ce schisme d'Occident. Nous avons encore quelques minutes devant nous. Ça passe vite. Et donc, rappelez tout simplement que effectivement, Castellón de la Plana, à côté de Castellón de la Plana, il y a une ville qui est très connue en France depuis quelques années, qui est Villarreal. Pas parce que les Français la connaissent particulièrement, mais parce qu'il y a une équipe de foot. Ah, le foot. Connue en France, où joue un Français très connu qui s'appelle Pires, Robert Pires. Mais il y a des villes comme Morella, par exemple, ou encore Benicassim, qui est une ville balnéaire, essentiellement touristique, et qui, depuis quelques années, effectivement, a développé, par exemple, un grand, grand festival de musique qui est connue internationalement. Et puis, j'aimerais que parler sur un aspect de votre guide, c'est qu'il y a toute une partie que vous avez appelée
pratique ville par ville, où vous récupérez, j'ai pris comme ça tout à fait par hasard, par exemple, la Val d'Uxó. Et effectivement, là, vous allez donner donc des informations très pratiques sur des hôtels, sur des restaurants, avec téléphone, adresse, dans les cas des restaurants, des plats qu'on peut déguster. Et comme ça, vous allez vous donner une information vraiment très riche sur, sur les restaurants, les hôtels, les offices de tourisme et tout ce qu'il y a d'intéressant ville par ville des provinces de Valence et de Castellón. Alors, j'aimerais vous demander pour quand donc le prochain guide, c'est lui, sur Alicante, encore une grande ville touristique, très française aussi, d'ailleurs, oui. Une forte population française, oui, puisqu'on n'a pas parlé des Cuyera. Cuyera qui est une ville très près de Valence, où effectivement, il y a par exemple beaucoup, beaucoup de Français qui vont passer ces vacances. Mais pour quand le prochain guide, Alicante-Murcie, une autre très belle région oui, espagnole. Oui, bien sûr. Déjà, il y a un gros travail qui est fait, et puis un travail complémentaire à faire, puisque, bien sûr, tout cela a pris énormément de temps. Il faut reprendre ce qu'on a fait un peu avant, rectifier, ajouter. Non, là, ça ne me plaît pas, il faut que je le reprenne. Quelquefois, on m'a dit que j'étais perfectionniste. Peut-être, mais j'aime le travail bien fait, ou alors, c'est non. Je vais jusqu'au bout, peut-être je cherche un peu la petite bête, mais je ne sais pas, c'est une question de respect vis-à-vis de mon lecteur, visiteur, et je veux qu'il ait le mieux pour lui. C'est aussi pour ça, donc, on a parlé de la question des informations pratiques. Mais bien sûr, l'aspect culturel est très important, et il est très développé dans ce guide, hein. C'est vraiment son armature centrale, comme l'armature d'une faïa. Mais effectivement, eh bien, le visiteur, il faut qu'il dorme, il faut qu'il mange, il faut qu'il puisse se guider sur la route. Donc c'est vrai qu'à chaque... J'ai construit des itinéraires et à chaque, avec des étapes, et à chaque fin d'étape, eh bien, vous avez, si j'ose dire, le gîte et le couvert. Vous avez aussi donc dans les informations pratiques, des informations que je donne sur la façon de s'y prendre. Alors il y a des gens qui préfèrent l'improvisation, se dire hop, je prends la voiture, j'y vais, quitte à se dire bon, à pas trouver un lieu où dormir et revenir dans une ville. De toute façon, ils n'iraient jamais très loin, ils trouveraient toujours à dormir. Mais et puis il y a les gens plus organisés. Alors il y a moins d'imprévus, peut-être moins de charme, mais c'est vrai que l'organisation aussi, ça fait gagner du temps. Donc je m'adresse un peu à deux sortes de visiteurs, celui qui est un peu plus bohème, on va dire, ou bobo comme on dit maintenant, et puis celui qui préfère l'organisation. Moi j'aime bien un petit peu les deux. Quelquefois j'aime bien, bon, on verra bien, et puis des fois je préfère que ça soit cadré. C'est vrai, quand c'est cadré, on perd pas de temps et on apprécie aussi mieux les choses. Et la dernière chose que je voulais ajouter, oui, puisqu'on a parlé de la gastronomie, c'est le seul guide où vous aurez la traduction de vos plats, donc vous les avez en valencien et vous avez la traduction en français. Et dans les guides en général, vous avez le plat en castillan. Pas toujours la traduction, donc vous ne savez pas ce qu'il y a. Et pour moi, c'est important, parce que si vous allez dans un restaurant et que c'est en valencien, ça peut arriver qu'en langue valencienne, par exemple, la fideuà, vous allez voir la fideuà sur une carte, et bon, qu'est-ce que c'est ça? Alors là, tout de suite, vous savez ce que c'est dans le chapitre gastronomique. Et sinon, pour chaque restaurant avec une carte qui... la carte du restaurant, bien sûr, qui a pu changer un petit peu, se modifier, hein, bien sûr. Mais vous avez l'explication en français de ce que vous allez manger. Donc, vous savez ce que vous allez manger avant de le voir dans l'assiette, parce qu'il y a quand même des... Oui, aussi des plats que le français ne connaît pas du tout. Par exemple, nous sommes en Bretagne... le phare breton, c'est un gâteau, je crois.
Chez nous, en Poitou-Charentes, le phare, c'est un pâté végétal aux épinards, par exemple. Vous voyez, donc, ça change. Ça change. J'aime bien les deux, phare ou farci. On dit aussi farci chez moi, dans ma région. Donc, pour moi, c'est important que la personne sache ce qu'elle a dans son assiette, ce qu'elle va manger. Et puis, évidemment, les vins sont bien... il y aura évidemment les bons vins d'Alicante. Donc, les visiteurs attendront un petit peu. Mais vous avez également les vins Berrequena, les Kiel, qui sont d'appellation. Et je suis une gourmette, j'aime la bonne chair, et je pense que les Français à qui je m'adresse aussi aiment la bonne chair. Et pour moi, ce chapitre gastronomie et détails dans les restaurants, c'est important. Et puis, peut-être aussi que j'espère que ça vous donne l'eau à la bouche. Donc, c'est le guide de Roselyne Chevalier. Espagne méditerranéenne, Valence et Castellón, qui est édité donc au guide Peuple du Monde, donc que vous pouvez retrouver un peu partout dans les librairies, grands. Voilà, dans le rayon des guides, hein, des guides de voyage, vous l'avez en Fnac également. Et dans les librairies qui ont des guides de voyage, on doit pouvoir le trouver facilement. Il suffit de taper mon nom sur Internet. Roselyne Chevalier. Vous pouvez le trouver sur Internet sans problème ou par un site de la FNAC. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, Espagne méditerranéenne, Valence et Castellón, guide de Roselyne Chevalier. Merci Roselyne de nous avoir accompagnés et de nous avoir présenté, donné un aperçu de ce guide, pratiquement 500 pages de Valence sur Valence et sur Castellón. On se donne rendez-vous pour celui d'Alicante et Murcia pour très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. A mí me gusta la radio. Ibermusic. Hay quien dice que es un angelito cínico, caprichoso, malcriado y juguetón. Yo prefiero imaginarlo suave y tímido, un salvavidas más de mi imaginación. Ay, señor, telegrama urgente envío a la espera de su fiel contestación. Ay, señor. Con el pasar de los años he aprendido en la vida que se vive intensamente. Si no se termina, soy vida cuando me nombras, soy pena si me abandonas, y eres tú quien me destruye y quien me crea. El que sufre si estás triste, el que muere si no vives, eres tú quien cierra mis heridas abiertas. No, no somos ni Romeo ni Julieta, actores de un romance sin final. Las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas y con las guitarras me hacen llorar. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Roselyne Chevalier qui nous a accompagnés dans cette émission des Ibermusica, Roselyne Chevalier, et qui a présenté le guide L'Espagne méditerranéenne, Valence et Castellón,
On se retrouve la semaine prochaine ici même sur votre radio pour une nouvelle émission de Ibermusica. Ibermusica qui à cette occasion sera une émission entièrement musicale. Merci à tous de nous avoir accompagnés. C'est une émission qui a été préparée par Juan avec toute l'équipe de España 2000. On se retrouve donc la semaine prochaine. Hasta la semana próxima. Seguir disfrutando de vuestra radio, de vuestra música. Seguir disfrutando de España. Adiós a todos.